vidéo. Voilà, donc tu peux nous confirmer, JB, donc Nono vient de nous quitter avec la moto là, la Ducati, vient de la mettre en route. Hein. Tout à fait. Donc on a eu un petit pressentiment quand on a vu la plaque vibrer, hein, plus que de raison comme on dit. Et donc nous sommes retournés après son passage et nous avons trouvé 2-3 choses. Voilà. Voilà. Donc voilà, on peut les compter. Voilà. Donc 1, 2, voilà. 3, 4, 5, 6 boulons, 7 boulons juste sur un démarrage. Hein. Voilà, juste sur un démarrage. Voilà. La plaque est toujours accrochée, je pense. Oui, tout à fait. On l'espère. Bon, donc d'après nos calculs, en fait, normalement, la Ducati, au bout de 20 démarrages, n'est plus en état de rouler. Tout à fait. C'est ce sur quoi il gagne beaucoup en rapport poids-puissance. Se désintègre. C'est sur la boulonnerie. Voilà. C'est le secret, c'est tout le secret des Ducati. Donc alors, mon cher Alain, nous continuons l'enquête. Tout à fait. Pris d'une certaine intuition, nous sommes allés vérifier le reste du parcours, voilà. Donc nous verrons sur la vidéo que notre cher Arnaud, donc on peut situer le garage là-bas, à 15 mètres à peu près. Donc 7 boulons perdus, hein, là-bas. 7 boulons, voilà. Là, il a calé. Bon, on pense qu'il a une petite fuite d'huile. Voilà. Voilà. Hein. Ce qui nous a permis de remonter. Vous voyez ? Là, c'est la première tranquille. Voilà. Après, il a rejoint Rémi au niveau du portail. Donc on remonte. Voilà. Oh putain! Oh là là! Parce qu'il a perdu un petit peu là. Voilà. Et ils ont quand même prévu ce qu'il faut en huile. Hein. Donc là, ils ont attendu. C'est les experts Miami. Donc là, ils ont attendu, puis ils se sont élancés. Donc là, il a tiré la première. Vous voyez. Oh la vache! Voilà, donc là, il a continué. Il s'est un peu déporté parce que Rémi était à droite. Voilà. Là, il a passé la seconde. Bon, c'est à partir de là que tout est foutu. J'ai perdu le sélecteur. Oui, effectivement, oui. Voilà, on voit bien le passage de la seconde. Oh putain, je crois qu'on peut dire que c'est une vraie Ducati. Hein, c'est une vraie Ducati. Voilà. On reconnaît bien la pièce. Oh, super. Et donc après, il a passé la seconde, mais s'apercevant qu'il avait perdu son sélecteur, je sais pas comment il s'est démerdé, il a remis plus de gaz pour suivre Rémi. Et là, nous avons entendu une détonation. Donc, on s'est dit, il doit manquer quelque chose. Donc, on a regardé là, par terre, voilà, là, on n'a rien vu. Le portail, le trottoir, rien vers les voitures. Peut-être le ciel, peut-être un avion, le ciel, quelque chose. Une détonation, ma foi, fort surprenante. Et là, nous avons trouvé, en relevant le regard, on s'est dit détonation, explosion, explosion, vent, vent, décollage. Et on a trouvé un de ces pots d'échappement. Oh putain. Voilà. Voilà. Donc, bon, bah, écoute, on te ramène tout, hein. Voilà, à part l'huile, je veux dire, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va peut-être en acheter un peu. Le sélecteur, je sais pas comment il va conduire, hein, mais ça c'est à ce qui paraît Ducati, c'est une philosophie. Bah, espérons qu'il arrive à terminer le pâté de maison, au moins. Eh ben écoute, c'est pas lui qu'on voit arriver en poussant là-bas ? Non ? Non, pardon. Ah, il m'a trompé, c'est une illusion due à la chaleur. Oh si, ça ressemble vachement à une brouette quand même. Bon, on va se tenir prêt pour aller l'aider. Hein. Voilà, tout à fait, on va ramasser les boulons aussi. Hein. Nous avons comptabilisé 7, on en a trouvé un 8e. Et passer un peu de sur l'huile qu'il y a partout. Voilà, parce que là c'est pas top pour les pilotes. Voilà. Donc, bon. Mais bon, vrai Ducati mais quoi. À part ça, elle est vraiment belle. C'est une vraie, on certifie, belle. Voilà, c'est une Ducati. Voilà, donc, mais d'un point de vue esthétique, elle est superbe. Elle est superbe. Ouais. Bon, d'un point de vue mécanique, elle est aléatoire. C'est une Ducati. Hein. C'est un Ducati, ouais, voilà. Stratégiquement, c'est pas mal, ça fait une excuse aussi. Oui, voilà, bon. Là, ça, on va lui ramener aussi parce que bon. Ah, il sera content. Oui, on lui emballe pour Noël. Voilà, on lui fera une surprise.